élève au cours Simon. Achille Jourdain, 18 ans, est acteur, metteur en scène, s'occupe de la musique, de la lumière, un jeune homme orchestre qui a rencontré cet hiver une vingtaine de sans-domicile fixe. Il a pris le temps de l'échange, a tenté de comprendre, pour en modeler un texte de témoignage. Je me suis tout d'abord intéressé à ces silhouettes qu'on voit dans les rues, particulièrement dans mon quartier. Et je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ces personnes se retrouvaient là. Et j'ai malheureusement découvert que c'était des personnes, comme tout le monde, qui avaient eu une vie avant et qui sont malheureusement aujourd'hui les plus démunis. J'ai reçu un coup de fil hier. Ma mère m'a appelé. Elle le fait chaque semaine et chaque semaine je lui réponds la même chose. C'est trop facile de rejeter un individu pour ses attirances et de l'accueillir une fois qu'on l'a détruit. 5 portraits. Pour autant de blessures, de cassures, de morsures, l'être sans abri se débarrasse des clichés, du pathos facile, du voyeurisme malsain, pour s'ouvrir sur l'universel. La pièce, jouée à Paris durant un mois, a d'ailleurs rencontré un succès authentique. À ma grande surprise, les spectateurs ressortaient conquis par le sujet, parfois émus, parfois avec beaucoup de questions derrière la tête. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. J'apporte aucune réponse. Je soulève, je parle juste d'un sujet. C'est pas politique, c'est pas spécialement engagé. Et c'est un petit peu le but, que les gens ressortent et en allant boire un verre ou en discutant avec la personne avec qui ils étaient au théâtre, ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces choses-là. La pièce est jouée vendredi et samedi au Lavoir Théâtre d'Épinal. Elle partira ensuite avec Achille faire le tour de France.